Depuis plusieurs mois, des chantiers bénévoles sont organisés au monastère. Regardons les ingrédients principaux. Il faut d'abord des moines bâtisseurs. Un chantier. Des bénévoles. Beaucoup de bénévoles. De la bonne humeur. Beaucoup de patience. Bonjour Claire. Ah non, en fait. Alors on vous a vu l'an dernier quand on a fait les travaux à la maison. Le sens des priorités. Je sonne le goûter. C'est un moment important de la journée. Des compétences. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors je mets tout ce qu'il y a comme bavure autour de la pièce. Donc après moi je vais mettre la première couche de polystyrène cet après-midi. Et ensuite c'est eux qui vont travailler. Bon, c'est pas désagréable là. C'est votre métier? Non, je suis en retraite mais je t'ai connu de place. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà de la neige. Est-ce que c'est votre métier? Pas du tout. On apprend. Et voilà. C'est votre métier, Claude? Oui. Oui. Vous êtes encore en activité? Je suis là en retraite. Et vous, Henri, c'est la première fois qu'on vous voit sur le chantier? Ben oui, parce que j'ai retrouvé Claude, mon ami d'enfance. On est du même village. Et on s'était perdu de vue pendant au moins 35 ans. Et on s'est retrouvé à l'adoration à Tassin. Il m'a dit, écoute, je te ferai signe. Et puis finalement, comme il m'a dit, suis-moi. Alors moi, j'ai suivi. Et donc je suis là. C'est votre métier aussi? Non, moi je fais du tissage de la banque et de l'informatique. Enfin, l'informatique pendant 37 ans. Mais bon, je bricole un petit peu. Mais je suis les consignes de Claude. C'est un spécialiste. Et puis j'essaie de m'adapter. C'est votre métier à la base? Non, j'étais infirmière. Et vous avez appris sur le terrain? Oui, puis j'ai pris un peu de cours à Leroy Merlin. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà, parce que j'aime bien bricoler. J'aime mieux bricoler que faire à manger, que d'être dans ma cuisine. Puis alors ici, la semaine, on se met les pieds sous la table, oh là là, pas à faire à manger. On est servi comme des... On est accueilli comme des coqs en pâte. L'esprit d'équipe. Et on peut aller voir un exemple si tu veux. Ouais, ça... Qu'est-ce que vous faites? Je prépare le dessert pour ce soir. Comme je ne suis pas doué en cuisine, on fait un petit exercice pratique avant de passer en cuisine.